Bonjour et bienvenue dans l'émission Jeudi Découverte. Aujourd'hui, je suis à Argelès-sur-Mer, chez un pizzaïolo extraordinaire. D'abord, c'est un cuistot, c'est un chef. Oui, c'est la cuisine. Je suis cuisinier de formation. Voilà, déjà. Ça, c'est important. Voilà. Parce qu'il fait de des pizzas, mais avec de la pâte à pain. C'est ça. De la vraie pâte à pain. Pâte à pain. Faite à la main. C'est ça. Il n'y a pas de pétrin à la bassine. Pas de machine ici. Et avec mon bras, il n'y a pas de machine. Tout pour tout, il n'y a pas de machine. Tellement que ces pizzas elles sont bonnes, bon, aujourd'hui c'est installé, c'est un peu nouveau là, vous êtes fixe, mais avant vous aviez un camion. C'était commerçant ambulant. Et les gens vous attendaient chaque semaine, parce que vous avez un jour par village. Des emplacements différents chaque jour. Donc vous venez vous installer sur l'avenue principale, la route nationale ici à Argelès. Voilà. Et donc votre spécialité c'est de faire des pizzas avec des produits frais. Ah ben c'est travailler but, au jour le jour. Si c'est pour travailler avec de la boîte. Non mais c'est important, si c'est celui-là c'est non, parce non, que je suis cuisinier alors je préfère, voilà, je travaille avec des légumes frais. Champignons, poivrons, oignons, de la tomate cerise, voilà, je travaille avec de la tomate cerise. Vous êtes associé avec Valérie, votre épouse, qui est là pour accueillir, répondre au téléphone, encaisser. Qui sait garnir les pizzas, qui sait façonner une pizza, qui s'occupe de la gestion de l'entreprise, qui s'occupe de la com, on est une équipe. Indispensable. Vous êtes ouvert tous les jours? Du mardi au dimanche soir, voilà, un petit jour de congé quand même, toute ça l'année. Fait pas de mal. Toute l'année, nous on est ouvert à l'année. C'est pour ça qu'on a décidé de venir au village pour être ouvert à la nuit. Vous savez que là, vous allez avoir les touristes qui vont arriver. Il va falloir. Ouais, mais c'est avec plaisir. C'est le but. Le but, c'est de bosser. Oui, mais en même temps, autant avec les touristes que les locaux, quoi. Hein. Le but, c'est de travailler avec tout le monde. Hein. Vu qu'on est là à l'année, ça sera. Voilà, on prend tout ce qu'il y a, quoi. Il n'y a pas de souci. On est là pour ça. C'est un peu dur comme métier, quand même, non? Tous les jours. Tous les jours. Je prends plus de plaisir maintenant à faire des pizzas que d'être derrière un fourneau midi et soir comme je l'ai été auparavant. D'accord. Voilà. Plus plaisir aux pizzas maintenant. Vous bossez que le soir, c'est Déjà mieux. Mais il faut le dire quand même, le matin on vient, il y a la prépa, on nettoie le local et on revient. Parce qu'il y en a, ils croivent que c'est juste de 18h à 21h et que le reste ça se fait tout seul. Voilà, exactement. C'est pas le cas. Voilà, vous encourageriez un jeune à faire ce boulot? Bien sûr. Mais après, je le formerai pas, je lui donnerai pas ma recette. Mais... Non, c'est vrai que les pizzas ici, il faut les goûter. Alors ici, ça s'appelle le pâton. C'est quoi le pâton, Sébastien? Le pâton, c'est tout simplement la boule de pâte pour faire ma pizza, quoi. Hein. Donc je fais ma pâte, je façonne mes pâtons et je roule ma pizza. Voilà, c'est ces boules que vous préparez à l'avance, qu'il n'y a plus qu'à ensuite écraser et puis exactement. Pour faire la pizza. Ah, on n'a pas fait compliqué. Hein. Voilà. Très bien. Il n'y a pas plus simple. Voilà. Alors c'est un métier à découvrir, c'est une personne à découvrir, un couple à découvrir, des pizzas à découvrir, à goûter surtout, exactement, ici à Argelès-sur-Mer. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous, à bientôt. Et à bientôt pour une prochaine vidéo.